Voyons. Bon, des notes de labo, des formules, des rapports financiers, des recherches sur la surdité et des expériences sur des humains. On dirait des paiements en cash aux volontaires. Je reconnais certains de ces types. Ils font tous partie d'un gang. Alors Langstrom faisait des expériences sur des criminels. Vous m'étouffez. Mademoiselle Gordon. Le système holographique fonctionne à nouveau depuis ce matin. Ça tombe à pic, Alfred. Hey, j'avais oublié que t'avais un super matos. C'est une antiquité, mais ça fera l'affaire. Vous et Maître Bruce êtes les seules personnes capables de considérer le matériel du Beffroi comme une antiquité. En faisant des recherches sur Langstrom, j'ai aussi réuni tout ce qu'on avait sur... notre casseuse d'ambiance. Talia Al Ghul. Maître Bruce et elle faisaient la paire à de nombreux niveaux. Sa présence à Gotham est inquiétante. Sans compter qu'elle a cramé le cadavre de son père. On est bien sûr que c'était Ra's al Ghul. Il y a son ADN partout sur l'arme qu'elle a laissée. Je me demande pourquoi elle n'a pas tenté de le ressusciter dans un puits de Lazare. Eh bien... Batman... irait poser la question à Talia en personne. Bonne idée. Ouais. Je pourrais encore analyser le kunai de Talia pour trouver quelques traces à pister. On devrait aussi aller en ville, pour voir si quelqu'un en voulait à Langstrom. Cool. On va briser des crânes. J'ai mis de nouvelles infos sur le tableau. Je comprends pas comment Talia a pu faire ça au corps de son père. Bon débarras. Les puits de Lazare, c'est l'enfer. Qui sait ce qu'il serait devenu en subissant ça une fois de plus? Alors, tu crois que c'était de la miséricorde? Elle avait un truc à prouver, ça c'est sûr. Mais c'était pas sa miséricorde. La préparation du physique et du mental vont de pair. Ici, on peut entraîner l'esprit pour préparer le corps. Mais il faut se concentrer. Oublie ta souffrance et sois attentif à ma voix.
Allez, parle. Ok, je vais tout te dire. Merci. Dis-moi ce que tu sais. C'est bon, j'ai compris. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. C'est tout ce que je voulais entendre. Comme prévu. Bravo. Jim serait fier de toi. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je crois entendre Bruce m'appeler à l'aide. Et puis, je me souviens. J'ai cru que l'un d'entre vous venait de m'appeler. Je m'inquiétais. On ne se refait pas, n'est-ce pas ? Je comprends. Attendre que les appels arrivent, c'était le plus dur quand... quand j'étais Oracle. Reprendre du service, ça fait bizarre. Mais Bruce avait raison. Gotham a besoin de nous. Et je serai là pour vous soutenir. Gotham est entre de bonnes mains.
Il y a une convention en ville ? Tu sais, sur le meurtre de Kirk Langstrom. On n'avait aucune raison de le tuer, encore moins de le clouer au mur. Il nous payait bien pour participer à ses essais cliniques. Mais tu dis rien à ma chef, hein, sinon elle va me buter. Merci pour l'info. Une justicière. Allez, communiquez ! Profitez du surnombre ! Énorme. Merde, on a de la compagnie. Moi aussi je peux le faire, j'ai juste pas envie. Oh putain.
va lâcher. C'est bizarre. On est là. Sur le meurtre de Kirk Langstrom. Je sais pas qui a brûlé le docteur. Ses recherches étaient top secrètes. Même mon boss savait pas que je bossais pour lui. C'était peut-être un accident. Merci, j'apprécie. Oh. Allez. Ah, je vais... Je vais prendre ça. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pas mieux d'aller voir. Les gars, il y a une justicière. Tu cherches à m'énerver ? C'est ça, ma gueule ! Thank you.
Ça y est, presque. Tu sais sur le meurtre de Kirk Langstrom. C'est pas moi! J'ai rien à voir avec celui qui s'est fait épingler au mur! Eh merde! J'aurais pas cette super oreille qui m'a promise alors. Beffroi, pas de piste sur qui a tué Langstrom. On a la position de Talia. Tu pourrais lui parler pendant qu'on cherche un plan. Je t'envoie les coordonnées. Bien reçu. Merci. Gagner la partie. Voilà ce que je sais. C'est tout ce que je voulais entendre.
Ils ont des otages. Faites très attention. Faites pas de bruit, d'accord? Ils sont partis. Là, ils en ont pour un bon moment. Vous devriez rentrer chez vous. Dans le... Dans le... Dans le... Dans le...
observé près du phare de Cap Carminé. On nous signale la présence de criminels sur place. Je suis occupée. C'est bon. Je vous vois la vie, merci.